Chers collègues, ce message de vœux pour la nouvelle année sera le dernier que je vous transmets en qualité de président de l'API et au nom de l'administration actuelle, depuis mon cabinet à Bologne. Les années passent, les saisons vont et viennent, la vie se déroule et les mondes changent, mais la continuité de notre association, une continuité dynamique, ouverte aux idées nouvelles, comme nous le verrons, est assurée non seulement par la constance du soi professionnel de nos membres, mais aussi par le partage de nos idéaux, nos activités scientifiques prospères, par le soutien de notre cadre administratif et en dernier lieu, mais non le moindre, notre mentalité à pays, comme j'aime la qualifier. Une vision internationale et interrégionale, construite au, au long de plus d'un siècle, Également capable de réflexions sur nos propres processus internes, fondés sur l'esprit de collaboration au service de notre communauté et sur un respect conscient des différences qui fourmillent dans un organisme à l'échelle mondiale comme le nôtre. Je voudrais commencer par vous présenter la nouvelle demeure administrative de l'API. Après trois décennies à Broomhills, situé à la périphérie lointaine du nord de Londres, notre siège social a désormais déménagé à Lexicon, dans des bureaux élégants en espace ouvert, au cœur du centre de Londres, accessible facilement pour les membres dont nous recevrons la visite avec plaisir. Nos visiteurs seront accueillis dans un espace de travail bien agencé. Lumineux, agréable, parfaitement conçu pour notre équipe de l'API. Un véritable centre d'opération et non une vitrine officielle de siège social, rien de grandiose, mais une moi centrale au travail de l'API efficace et fonctionnelle, dont nous sommes fiers. Le design même de l'Exicon, avec ses grandes fenêtres du sol au plafond, donnant sur l'eau scintillante du canal avec le glissement sur l'eau des canards de des cygnes, fait miroir aux concepts fondamentaux de la communication de la La lumière qui reflète la transparence. Le mur remplacé par des fenêtres qui portent de l'intérieur vers l'extérieur, aussi bien que de l'extérieur vers l'intérieur pour surmonter les obstacles et réunir les mondes externes et interne. C'est bien la nouvelle API. L'API est un organisme extraordinairement actif et énergique. En fait, notre association est composée de 79 comités et d'équipes de travail, avec plus de 500 membres de l'API participant activement dans leurs fonctions. Notre estime et sincère gratitude s'adresse à tous ces membres pour leur travail enthousiaste et dévoué. Dans ce message, je me pencherai sur les dernières nouvelles et développements, lesquels sont nombreux. En partie parce que notre administration est plutôt dynamique. D'ailleurs, heureusement, depuis que nos et présidents et vice-présidents élus, Virginia Unger et Serge Onik, nous ont rejoints et renforcés mais surtout parce que l'API est nécessairement en constante évolution afin de répondre aux besoins constants d'un monde en perpétuel changement. Le comité de l'histoire de la psychanalyse remplira un vide culturel en créant un dialogue interrégional très attendu sur ce thème. Étant donné notre histoire en qualité d'association internationale initiale fondée par Freud, le rôle de l'API au regard de cette tâche délicate et complexe est à la fois fondamental et justifié. L'histoire est également le point central de notre projet sur l'héritage freudien, qui œuvre à explorer les moyens de préserver l'héritage historique. À la suite du questionnaire que nous avons envoyé à toutes les sociétés l'année dernière pour les d'être impliqués dans cette initiative. Le conseil de l'API a décidé de créer une nouvelle équipe de travail qui s'occuperait d'effectuer une cartographie de l'héritage freudien à l'échelle internationale afin d'explorer la possibilité d'ajouter l'API sur la liste des patrimoines mondiales de l'UNESCO. Entre temps, nous poursuivons également notre travail d'organisation qui consiste à implémenter la technologie nécessaire à l'archive administrative de l'API et à l'archive scientifique. Le travail dédié aux plateformes pour les sites web et les médias sociaux est en révolution constante, dans ses efforts à attendre et connecter entre eux les recoins les plus reculés de nos associations, aussi bien géographiquement que en partageant des nouvelles sur l'évolution de leur activité. L'initiative La société du mois met en relief chaque mois sur les sites web une société de l'API différent, permettant ainsi aux membres de mieux connaître l'histoire, la culture, les personnes et activités des sociétés, également par des photos et vidéos, qui sont la somme de notre énergie et prospère communauté psychanalytique. Suite à l'inspiration provoquée par les réactions enthousiastes lors de l'initiative inaugurale en 2015, les prix vidéo de l'API en est à sa seconde version. Les inscriptions sont les bienvenues par le biais de notre site web, avant le premier maire, sur les thèmes de l'intimité, lesquels est le sujet de notre congrès de l'API en 2017. À Buenos Aires, où les vidéos promues gagnantes sera présentées. La révolution technologique de l'ère de l'Internet, ainsi qu'une conscience internationale croissante au sujet des problématiques de la vie privée, ont engendré la nécessité d'un nouveau comité sur la confidentialité d'autant plus que les professionnels et organismes scientifiques doivent s'assurer d'être vigilants en ce qui concerne la protection des données dans le cadre de leur travail clinique et de leur échange scientifique en particulier lors des congrès et des réunions internationales. le sous-comité sur les addictions une filiale spécialiste du comité sur la psychanalyse et la santé mentale est impliqué dans une coordination interrégionale sur les contributions psychanalytiques dans ces domaines sensibles, qui jusqu'au séjour est resté en grande partie peu documenté dans notre spécialité. L'observatoire professionnel de l'API sera une équipe de travail interrégionale dont les fonctions seront de réunir des données sur les conditions légales liées à notre profession dans des pays différents. Sur les réglementations des différentes sociétés psychanalytiques et sur les situations professionnelles, politiques et économiques des différentes régions dans le monde. Ces données pourront bien s'avérer capitales pour les collègues qui projettent de s'établir dans un autre pays, que ce soit en souhait ou en besoin personnel, et continuer leur pratique psychanalytique dans un nouveau contexte. Le nouveau comité pour les études sur la diversité des orientations sexuelles et des genres aura pour mission d'explorer, de rechercher et d'étudier les nombreuses questions et complexités concernant la diversité des orientations sexuelles et des genres au regard des changements socio-culturels, de la pensée psychanalytique et de la connaissance sur une période de plus d'un siècle de travail. L'équipe de travail sur les problématiques institutionnelles et l'équipe de travail sur l'API et les organisations constituantes sont deux exemples de la disposition réflexive de l'API en matière de dynamiques institutionnelles internes, qui sont indispensables, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans la vie de nos communautés psychanalytiques locales, nationales et internationales. Ces équipes de travail se sont énormément investies dans leur travail pendant maintenant un an et nous sommes très heureux de l'engagement concret que les questionnaires que nous avons envoyés à toutes les sociétés a stimulé. Nous sommes impatientes à l'idée de bientôt partager avec vous leur très stimulant compte rendu. Ceci sera pour nous une inspiration qui pourra nous mener à une réflexion pour éclairer de la manière dont nous nous organisons et travaillons ensemble. Le début de l'année 2017 sera témoin du lancement de la première série d'entrées effectuées par le Dictionnaire encyclopédique interrégional de psychanalyse de l'API, une initiative sans précédent en termes de sa dimension globale est l'aboutissement d'une méthodologie innovative et d'extrêmement éloquente, développée par trois grandes équipes nord-américaines, latino-américaines et européennes. L'objectif du dictionnaire encyclopédique est de représenter l'histoire et l'évolution des concepts psychanalytiques dans les différentes zones géographiques et écoles théoriques, grâce à un processus de travail de collaboration complexe, qui sillon entre les trois équipes. Les rôles scientifiques spécifiques de l'API au niveau interrégional se va concrétiser par la coordination des activités des groupes de travail dans les différentes zones géographiques. Les nouveaux Working Parties Committee s'occupera de construire des ponts entre eux d'organiser des réunions et des échanges intercontinentaux, ainsi que de favoriser la mutualisation des réflexions que le CAPSA a initiées au départ et portées si brillamment ces quelques dernières années. Cela pourra se réaliser dans le respect et en toute reconnaissance des contributions d'origine dans ces domaines fournis par les organisations régionales dans leurs propres domaines. Et nous sommes confiants que cela enrichira notre collaboration avec eux. Dans le contexte de notre collaboration avec les organisations régionales, je suis très heureux d'annoncer que le processus complexe de création du Psychoanalysis Today, la psychoanalyse aujourd'hui, les journaux en partenariat collectif avec la EPF, la FEPAL, la API et le NAPSAC APSA, s'est enfin terminé par l'étape clé des signatures des documents d'incorporation à Montevideo les mois derniers. Cette initiative collective nous réunit de manière plus constructive que jamais, tout en respectant les différents cadres et objectifs de nos organisations. C'est un magnifique point de rencontre pour un dialogue partagé sur les problématiques communes, offrant une liberté maximale des styles et contenus dans une enveloppe éditoriale innovante. Les thèmes de grande actualité en débat sur Psychoanalysis Today en ce moment comprennent violence et un appel à contribution sur réflexion psychanalytique sur la migration. À propos des nouveaux horizons, d'ailleurs, nous sommes heureux d'annoncer la prochaine conférence Asie-Pacifique entre le 4 et 6 mai 2017 à Taipei, qui donnera l'opportunité aux psychanalystes de se retrouver par un événement scientifique sous le titre fascinant L'édipe asiatique. C'est bien le prélude de notre rêve. La création de la quatrième région de l'API, un objectif captivant qui contribuera à développer notre association et surtout à l'enrichi des contributions de cultures qui recouvrent des milliers d'années et des kilomètres. Comment la psychanalyse se développera-t-elle dans les prochaines décennies Réfléchissons à cette question et travaillons ensemble à la découverte des réponses à venir. Dans ce travail, à la rencontre du futur, un rôle fondamental est joué par le comité international des nouveaux groupes, ING, qui s'efforce d'assurer le bon développement de la formation de la psychanalyse dans les pays où elle est encore à ses débuts. Le développement le plus important ces dernières années a été non seulement l'élargissement à de nouvelles zones géographiques, mais aussi la création de nouvelles méthodologies de travail pour les comités de parrainage et de liaison, qui se consacrent aux nouvelles organisations locales. Nous adressons une attention tout particulière à l'étude des dynamiques de groupes qui pourront soit simplifier ou perturber la croissance des nouvelles communautés scientifiques locales, sur la base de l'expérience acquise dans les temples. C'est bien là. Une nouvelle perspective qui semble déjà porter ses fruits et qui constitue une base pour une culture de la formation bien plus perfectionnée que par le passé. Une autre initiative nouvelle a été proposée par le programme Sister Societies, les sociétés sœurs, laquelle encourage les sociétés de différentes régions à se rencontrer et à se relier pour explorer leurs différences et leurs similitudes. Ces programmes encarnent l'un des principaux objectifs de notre administration, la connectivité, en offrant un engagement d'échange interculturel et en stimulant la curiosité et l'ouverture à d'autres façons de penser théoriquement, cliniquement et culturellement. Afin de soutenir davantage cet objectif, notre administration a également continué de financer les programmes CAPSA signifiant que l'API apporte un soutien financier significatif aux sociétés pour leur permettre d'inviter des membres de l'API provenant d'autres régions à leur rendre visite pour enseigner et participer à la vie de la société concernée. Ces deux programmes concernent tous deux la construction des pontes. Je voudrais conclure cette brève synthèse d'autres champs d'action ou d'importants processus de changement ont été déclenchés. Des avancements dans l'organisation de la formation intégrée dans de nombreuses sociétés, afin de créer une option supplémentaire facultative pour la formation à l'API, dans le but de devenir analyste reconnu d'adultes, d'enfants et d'adolescentes grâce aux adaptations nécessaires ajoutées au programmes d'enseignement dans les différents instituts nationaux et les débats prospèrent dans nos sociétés et nos forums du comité pour la formation et la supervision au sujet des modifications apportées au modèle de formation, particulièrement en référence aux variations du modèle d'ITINGON afin de contrôler les développements en cours dans les différentes zones géographiques et d'harmoniser les règles de l'API au regard des véritables transformations qui ont lieu dans la psychanalyse contemporaine. Je voudrais également évoquer le travail de consultation avec tous nos membres et sociétés sur les propositions de modifications apportées au code d'éthique de l'API pour y intégrer la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent. Nous sommes reconnaissants pour les retours que nous avons reçus des membres et des sociétés. Et nous vous remercions d'avoir participé à un débat si important qui permet à la psychanalyse de rester pertinent dans un monde en mutation. Puisque le temps est limité, je n'ai pas mentionné ici les nombreux autres comités et équipes de travail qui ont porté leur initiative pendant des années avec un dévouement si remarquable. Étant donné que nous sommes dans une année d'organisation de congrès, à cette occasion, nos remerciements vont tout particulièrement aux organisateurs du congrès IPA IPSO de 2017. Buenos Aires nous attend au rythme du tango en juillet de cette année pour notre congrès dédié au thème de l'intimité, une dimension interpsychique qui dépeint profondément la psychanalyse d'aujourd'hui. Nous espérons que nos collègues du monde entier nous y rejoindront pour ajouter leur voix au dialogue, dialogue vert, riche et interrégional qui distingue notre congrès, avec des groupes de discussions organisés au préalable, les anciens groupes de Boston, que nous appelons désormais les groupes internationaux, et l'interprétation simultanée en plusieurs langues. Entre temple, les candidats de l'IPSO ont lancé une magnifique initiative de bienvenue, et je voudrais les remercier au nom de l'administration pour leur esprit chaleureux et dynamique, et pour l'enthousiasme dont ils ont fait preuve dans l'engagement porté à leur participation. Le congrès de Buenos Aires est pour nous particulièrement émouvant, car il signifie la, la passation administrative à notre futur président et vice-président Virginia Unger et Sergio Nick. En qualité de dirigeants actuels, nous sommes convaincus de laisser l'API entre de très bonnes mains. Notre travail est loin d'être terminé, mais je voudrais profiter de cette opportunité pour exprimer mon immense gratitude envers mes collègues de l'administration, qui ont partagé, et les continuent, ces voyages exaltants avec moi notre vice-présidente Alexandra Billinghurst, notre trésorier Andrew Brooke, notre ancien trésorier Juan Carlos Weissman et notre directeur exécutif Paul Craig. Et pour terminer par la tradition, j'ai le plaisir et l'honneur d'être le porte-parole de l'administration de l'API, le conseil et l'équipe de Lexicon pour souhaiter à tous les membres et candidats de l'API ainsi que leurs familles proches, nos plus chaleureux et sincères vœux pour une heureuse et épanouissante nouvelle année 2017.